j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale, donc je vais vous montrer mes cadeaux de Noël, de ce Noël 2017. Mais avant que la vidéo commence, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et que vous avez bien profité. Et également que vous avez eu de vos cadeaux, les cadeaux que vous désirez. Donc c'est parti, je vais commencer à vous présenter mes cadeaux de Noël Harry Potter. Donc il y en a 5. Donc je vais commencer avec ces paires de chaussettes. Donc Harry Potter, moi il faut savoir que j'adore les chaussettes Harry Potter. Donc voilà, il y a celles de Gryffondor, Serpentard, Poufsouffle et Serdaigle. Donc elles sont vraiment super jolies. Les couleurs sont très belles et le petit blason est vraiment très très mignon. Ensuite j'ai eu le blason, enfin l'écusson de Poudlard. Voilà, en bois. Avec une petite ficelle pour qu'on puisse l'accrocher par exemple sur une porte ou au mur. Voilà, donc il est vraiment très joli. Les couleurs sont très vifs. Voilà, le doré est très joli. Et voilà, donc il est vraiment super bien. Et au toucher, voilà, c'est vraiment agréable. Ensuite, j'ai eu ce livre Serpentard. Donc un livre que je voulais depuis longtemps. Donc il est vraiment très très beau. C'est juste un carnet avec des lignes. La couverture est vraiment très jolie. Elle est dure. Voilà, c'est pas du papier. C'est du carton, je pense. Ensuite, voilà, quand on l'ouvre, on a donc une première page avec entre guillemets, voilà, les écussons de Poudlard, les couleurs, etc. Ensuite, on a appartient à, donc j'ai toujours pas monté mon prénom. Et ici, quand on déplie, on a une petite histoire, voilà, de la maison de Serpentard et de ses sorciers. Donc c'est assez cool, voilà. Ça, on peut apprendre un peu plus de choses. Ensuite, voilà, on a toutes les lignes. Puis là, on a une petite pochette pour ranger, voilà, quelques papiers ou des choses comme ça. Et ensuite, je cherche le petit fil, voilà. Un petit fil qui nous sert comme marque-page, voilà, doré. Donc il est vraiment très très joli. Voilà, j'adore surtout, voilà, la matière, là. Les couleurs sont vraiment très jolies, voilà. Moi, je l'adore, il est vraiment magnifique. Ensuite, j'ai eu ce livre. Donc c'est une sorte de boîte, un coffret, Harry Potter. Donc quand on l'ouvre, voilà, on a en fait, je trouve ça vraiment original, parce qu'on a deux cubes, ici et là, et en fait, faut trouver en fait, ça raconte l'histoire, et là c'est par exemple l'histoire du Quidditch, voilà. Et en fait, y a les cubes qui s'ouvrent, et en fait faut trouver nous-mêmes les textes, etc. Je trouve ça vraiment ludique et vraiment super joli. Voilà, je trouve ça vraiment très original, j'en avais jamais vu. Et l'autre, c'est pareil, sauf que ça raconte l'histoire de Poudlard. Voilà. Donc là, par exemple, on a Edwige, que je trouve vraiment très très jolie. Et voilà, donc on déplie, voilà, l'histoire de Poudlard. Donc le cube commence comme ça, et après, voilà, on déplie, etc. Je trouve ça vraiment très très beau. Ensuite, là, on a une petite boîte secrète, entre guillemets, avec le chien. Et lorsqu'on l'ouvre, voilà, le chien est réveillé. Et là, il est endormi, bien évidemment. Voilà, donc je le trouve vraiment super joli. Les couleurs sont vives, voilà, je le trouve vraiment magnifique. Et pour finir, j'ai eu une baguette, donc des animaux fantastiques, donc de Serafina Piquerie. Voilà, donc la boîte rose. Je ne vais pas vous la montrer dans cette vidéo, car je vais dédier une vidéo sur cette baguette. Mais en tout cas, je peux vous dire qu'elle est vraiment magnifique. Voilà, donc voici mes cadeaux. Donc je suis vraiment très contente de mes cadeaux. D'ailleurs, je voudrais remercier tous mes proches qui m'ont offert... cela et même d'autres cadeaux, voilà, qui ne sont pas Harry Potter. Voilà, donc cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, à mettre un maximum de pouces bleus et à me suivre sur tous mes réseaux sociaux qui sont en barre d'infos. Et voilà, donc demain on sera le 31 et donc je vous souhaite une très bonne année 2018, voilà, qui est, voilà, la santé, le bonheur, etc. Et la réussite également en scolaire, travail, etc. Et on se retrouve donc pour une prochaine vidéo.